De ce jour, le 4 mai, c'est une journée historique pour moi, pour avoir exposé une rétrospective de mes toiles, du paradoxe art, de la bombasse forme, des chevaux, de la série des chevaux, de la Médina, et voilà. Je dis bien un moment historique parce que au vernissage, il y a eu plusieurs personnalités qui se sont assemblées, qui se sont rencontrées et que j'ai eu la chance de côtoyer aussi, ainsi que ma famille, mes amis, mes fans. Un moment de très émotionnel. J'ai fait un portrait pour notre président, enfin qui a trouvé ça très, très... très bien, et il en est très heureux. Je trouve que cet espace, à comparer avec les galeries que j'ai vécues, que j'ai trouvées à travers l'Europe et surtout en Allemagne, je ne crois pas qu'il y ait une si belle galerie, si bien organisée, au point de vue technique et conceptuel, comme Erivage. C'est-à-dire, c'est vraiment professionnel, et j'en suis très content non plus. En plus, j'en suis très fier en tant que Marocain résident en Allemagne d'avoir pu exposer dans cet espace. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je tiens à remercier tous les membres de la Fondation. Enfin, pour terminer, je voudrais bien dire qu'au point de vue artistique et culturel, que le Maroc a toujours cette potentielle. La potentialité, c'est-à-dire qu'il est très potentiel, il y a une richesse que l'on devrait exploiter, Inch'Allah, et à travers la Fondation Hassan II, que Dieu préserve notre roi, notre nation et toute l'Umma l'Islamia, l'Arabie et l'Mazéria. Shukran.